Yo les bros, c'est JB, je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Tatakae Dream Team. Ok, j'ai dit nouvelle vidéo, mais c'est la première, j'espère qu'il y en aura pas mal. C'est mon free-to-play du moment, bien sûr toujours téléchargeable sur Coop. Ok, j'ai 30 orbes et il y a pour l'instant une petite promotion, 10 joueurs pour 30 orbes. J'ai bien envie de me laisser séduire, j'ai qu'un seul SSR, tout le reste c'est du SR. J'aimerais avoir des joueurs plutôt palpitants, plutôt puissants, plutôt incroyables. Surtout du japonais, parce que j'aimerais bien me faire une bonne petite team à la Captain Tsubasa. Alors c'est parti. 100 000 téléchargements, 10 joueurs pour 30 orbes, donc c'est plutôt intéressant. D'habitude c'est 11 joueurs pour 50, alors let's go. Et déjà, c'est un shoot en doré. Attention, doigt de la chance. Oh là, c'est du lourd. C'est du très très lourd. C'est du full doré, donc aucun UR. Ça tape sur du SR, SSR sûrement. Attention, c'est parti. Hikaru Matsuyama suivi de Taro Misaki. Ok, 2 SR, c'est plutôt pas mal. En sachant que Hikaru, je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. Il est plutôt pas mal, une petite technique en shoot à A, c'est pas trop dégueu, c'est cool. Oh, Sakun Konsowato, le joueur thaïlandais, si je me souviens bien. SR, passe en B, ouais, bon, c'est pas... Ouais. Ok, Hikaru Matsuyama, donc c'est le même que le premier, mais à une timeline différente. Un tacle en A, ça c'est bien fat. Oh, Elcide Pierre, SR, ouais. Blocage de passe, ouais, pff, ouais, ok. Ah, Sean Nita. Eh bah, bienvenue mon ami, je t'avais pas, c'est cool. Un shoot en B, ouais, ok. Oh oui, oui, Alan Pascal, notre ami argentin en SR, ça c'est plutôt pas mal. Oh, il vient avec un shoot en A, qui est un shoot en team, donc il me faudra un autre personnage sûrement argentin pour la réaliser. Nous avons ensuite un deuxième Hikaru Matsuyama, un nouveau Sean Nita, suivi de Franchester, le joueur allemand, qui est plutôt pas mal. Oh, bah, bon. On a un nouveau ticket violet. C'est pas un tirage de malade, genre un truc de ouf qu'on aurait pu imaginer avec des super joueurs, mais c'est plutôt pas mal, je suis assez content. J'ai quelques points d'amis. On va se faire un petit tirage gratos en points d'amis. Il me manque encore 2 tickets violets, donc 2 tirages complets. Allez, tirage ami, souvent c'est pas top, des fois c'est cool, je croise les doigts. Ok, il y a une plume, ça va être complètement naze. Ça va être un carnet, à tous les coups c'est un carnet de technique. En M. Oh, qu'est-ce que je suis mauvaise langue, c'est un carnet de technique en R vert. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, ça se recycle pas tout de suite. Bon, on va voir à quel point j'ai eu de la chance. On va aller dans la gestion d'équipe, c'est-à-dire la deuxième icône en bas à gauche. Et je vais faire un petit chargement automatique en appuyant sur le pouce. Et là, il me fait une équipe automatique. Comme vous pouvez le voir, je gagne 2000 points. Mon équipe est plutôt fat. On a des nouveaux joueurs qu'on vient de choper et ça c'est cool. Je valide et je suis prêt à aller défoncer le mode story tranquillement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vu que c'est mon free to play du moment, n'hésitez pas à revenir. Il y aura d'autres vidéos. Et moi je vous dis à plus. Salut, c'était JB.